Salut tout le monde, c'est Hawk45, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'univers de Halo. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la première bataille de la Petite Arche qui s'est déroulée le 11 décembre 2552 sur l'installation 00 et qui fait suite à la bataille de la Terre. L'installation 00, communément appelée Petite Arche, est une gigantesque structure Far Honor située à 262 144 années-lumière du centre de la Voie lactée. Elle fut créée vers moins 110 000 avant Jésus-Christ, quelque temps après la construction de la Grande Arche, pour en être une version améliorée. À la manière des Halo, la Petite Arche fut construite comme une solution pour lutter contre le parasite. Les Farrunners y affectèrent le Monitor 000 Tragique Solitude. La surface interne de la Petite Arche est recouverte de mer et de terre et dispose d'une atmosphère identique à celle de la Terre. En son centre se situe toutefois une lune artificielle qui contient tous les matériaux nécessaires à la construction des halos. Les 7 halos de seconde génération furent notamment conçus par les strato-sentinelles de la Petite Arche. Sa salle de contrôle, aussi appelée citadelle, permet d'activer l'ensemble des halos à distance. Par ailleurs, la Petite Arche qui est située hors de portée des halos fut utilisée par les Farrunners pour sauvegarder certains échantillons ADN, moléculaires et des spécimens vivants. L'installation fut utilisée par les Farrunners en ultime recours lors de la guerre contre le parasite, ce qui provoqua la disparition de toute vie pensante dans la galaxie. Mais grâce aux échantillons sauvegardés, la vie fut réintroduite dans la galaxie. En octobre 2552, le haut prophète du regret, l'un des trois leaders de l'Alliance Covenant, lance un assaut sur la Terre après qu'un artefact Far Honor d'une valeur capitale ait été localisé sur le monde natal des humains. Il s'agit d'un gigantesque portail qui, s'il était activé, ouvrirait un passage en sous-espace menant à la Petite Arche. Regret souhaite sans tarder prendre le contrôle du portail, qui se situe sous terre au Kenya, entre Voi et la nouvelle Mombasa. Mais l'humanité résiste farouchement et oblige finalement le prophète à fuir avant que les renforts n'arrivent. Le 21 octobre, la flotte du haut prophète de la vérité, bien mieux préparée que ne l'était celle de Regret, gagne la Terre. Les Covenants prennent alors le contrôle de la région et débutent l'excavation du portail. Le 17 novembre 2552, alors que l'Alliance Covenant est très affaiblie suite au grand schisme, à l'échec de Tartarus sur le Halo Delta et à la perte de Grande Bonté, les forces brutes du Haut Prophète de la Vérité parviennent enfin à activer le portail de l'Arche. Le vaisseau-clé Farrunner de Vérité et sa flotte Covenant loyaliste s'engouffrent rapidement dans le portail. De leur côté, les humains sont retenus sur Terre, car un croiseur Covenant aux mains du parasite vient de sortir du sous-espace et s'est écrasé sur la ville de Voi. Il faut impérativement éliminer toute trace du parasite ou la Terre serait perdue. Le Spartan John 117 et l'arbitre Tel Vadam, alors tout proche du lieu d'impact, se dirigent vers la carcasse du vaisseau. Ils sont épaulés par la flotte de Retribution menée par Ertas Vadum qui largue des troupes au sol. Le Spartan pénètre dans l'épave et découvre un enregistrement de Cortana, ce qui indique que le croiseur provient de Grande Bonté. Le vaisseau Capital Covenant avait été abandonné au parasite lors de la bataille de l'installation 05. Et Lia Cortana, laissée sur place par John 117, devait faire exploser le vaisseau. Mais Cortana n'a vraisemblablement pas réussi. Grâce à 343 Guilty Spark, le monitor du Halo Alpha, l'enregistrement endommagé est partiellement révélé. Cortana y explique que le Fossoyeur se dirige sur Terre avec Grande Bonté et son armée de parasites. Elle indique également que l'Arche permettrait d'arrêter une bonne fois pour toutes le parasite. Ertas Vadum décide d'envoyer sa flotte dans le portail, afin notamment de neutraliser Vérité. L'amiral Terence Hood commande aussi l'envoi de troupes dont John 117, car il faut impérativement neutraliser le parasite et Vérité, ou la Terre serait perdue. Ainsi, la coalition envoie 11 vaisseaux dans le portail de l'Arche. Le Shadow of Intent, un transporteur Covenant de classe CAS, 9 croiseurs Covenant de classe CCS, et le Forward Unto Dawn, une frégate légère humaine de classe Charon. Après plusieurs semaines en sous-espace, les vaisseaux de la coalition arrivent enfin à destination. L'Arche est en vue, de même que la flotte de Vérité qui dispose de bien plus de vaisseaux. Au total, 2 transporteurs d'assaut de classe CAS et 28 croiseurs de classe CCS. La bataille de l'Arche est sur le point de débuter. En dépit de son infériorité numérique, la coalition engage le combat contre les vaisseaux bruts de Vérité, tandis que plusieurs pélicans sont envoyés sur l'Arche pour une mission de reconnaissance. Le Major John 117 et le Major Avery Johnson participent tous deux à la mission aux côtés de Marines et d'ODST. Ils sont chargés de collecter toute information utile à propos des forces et des équipements Covenant et Far Honor présents sur l'Arche. C'est l'opération Blind Face. Au cours de leur descente vers la surface de l'Arche,
les pélicans sont pris à partie par les vaisseaux Covenant. L'un d'entre eux est détruit, tandis que les autres sont séparés. Mais le pélican de Johnson, qui transporte John 117, est rejoint par un deuxième pélican. Le Spartan et plusieurs soldats sont alors déployés sur l'Arche et débutent ainsi l'opération. Leur premier objectif est de sécuriser une zone d'atterrissage pour que le Forward Unto Dawn, commandé par Miranda Keys, puisse se mettre à l'abri du feu ennemi et venir déposer des renforts. Mais pour l'heure, dans l'espace, la bataille s'amplifie. Le Dawn se charge d'éliminer les Seraphs ennemis pendant que les vaisseaux séparatistes se concentrent sur les croiseurs loyalistes. Les Jiralanae ont bien du mal à rivaliser avec les stratégies des Sangheili. Ils sont rapidement vaincus. Mais le vaisseau-clé de vérité n'a pas participé à la bataille spatiale. Il est fort probable que le Hiérarque soit actuellement sur l'Arche. Sur l'installation, les troupes humaines de l'opération Blindface neutralisent deux avant-postes Covenant avant de croiser plusieurs rescapés humains qui ont survécu au crash de leur pélican. L'un des survivants indique avoir repéré un lieu qui pourrait servir de zone d'atterrissage pour le Forward Unto Dawn. Le groupe s'y dirige, éliminant les forces loyalistes sur le chemin et sécurise la zone pour permettre au Dawn de se poser sans risque. Ce dernier entre alors en atmosphère et dépose des renforts humains ainsi que trois tanks Scorpion et un Warthog. Johnson atterrit avec son pélican et exfiltre les survivants en DST. Il indique également avoir repéré une structure Pharaoner qui pourrait être la salle des cartes de l'Arche, étant donné sa similitude avec la salle des cartes du Halo Alpha. Le nouvel objectif devient alors de rejoindre le prétendu cartographe. Les humains progressent, éliminant les Covenants qui se dressent sur leur passage, et atteignent finalement l'entrée d'un gigantesque mur Pharaoner qui leur barre la route. Gultispark, qui accompagne le convoi, vient en aide aux humains. Il conduit John 117 à un panneau Pharaoner qui, une fois activé, génère un pont de lumière permettant ainsi au véhicule de franchir le mur de l'intérieur. Puis, une spectaculaire bataille terrestre a lieu contre les troupes du prophète de la vérité, au cours de laquelle un scarab et plusieurs apparitions loyalistes sont détruits. Une fois les troupes de vérité vaincues, l'UNSC pénètre dans la structure Pharaoner. Les occupants Covenant qui défendent le bâtiment sont neutralisés et la salle des cartes est finalement atteinte. Elle révèle la position du prophète de la vérité. Celui-ci s'est barricadé dans la citadelle, la salle de contrôle de l'Arche. Il faudra désactiver le périmètre de défense avant de pouvoir atteindre sa position. Le groupe est subitement interrompu par les Covenants qui envoient des renforts aériens et terrestres pour reprendre le contrôle de la salle des cartes. L'arbiteur s'empare d'un Banshee Covenant pour venir en aide au pélican de Johnson, tandis que John 117 et les Marines suivent le moniteur à travers la structure tout en combattant l'infanterie ennemie. Ils sont ensuite exfiltrés par le pélican de Johnson au niveau inférieur, après avoir éliminé le chef brut Cetegus et sa meute. L'Alliance UNSC séparatiste lance un assaut sur la citadelle. Le plan consiste à désactiver simultanément trois générateurs qui alimentent la barrière d'énergie, empêchant d'accéder à la salle de contrôle. Ces générateurs sont situés à l'intérieur de tours Pharaoner sous la protection des Covenants. Une fois la barrière d'énergie désactivée, le Shadow of Intent approchera de la citadelle et vitrifiera la structure pour éliminer Vérité. John 117 est envoyé sur la première tour avec des Marines, tandis que l'Arbiteur et plusieurs Sangheili s'occupent de la seconde, et que le Major Johnson et d'autres Marines s'occupent de la troisième. Les générateurs des deux premières tours sont désactivés avec succès, mais Johnson rencontre lui des difficultés. Des renforts Covenant l'empêchent d'accomplir sa mission. Bientôt, il ne répond plus aux appels radio de Miranda Keys, qui ordonne alors à John 117 de rejoindre la troisième tour. Il monte à bord d'un Hornet et élimine les défenses aériennes et anti-aériennes Covenant qui protègent la troisième tour avec le soutien des élites. Il pénètre ensuite dans la tour en compagnie de l'Arbiteur et d'élite, mais aucune trace de Johnson. Seuls les Covenants sont présents, en nombre, pour défendre la tour. Ils sont vaincus et le troisième générateur est désactivé. C'est alors qu'une rupture spatio-temporelle est aperçue dans le ciel. Grande Bonté, toujours aux mains du Fossoyeur, vient s'écraser sur l'Arche. Des débris de Grande Bonté endommagent sévèrement le Shadow of Intent qui doit quitter le secteur, tandis que d'autres débris apportent des parasites dans la tour numéro 3. Les troupes UNSC séparatistes viennent à bout des assaillants parasites et montent ensuite à bord de véhicules pour assiéger la citadelle désormais vulnérable. Malgré l'arrivée du parasite sur l'Arche, la priorité de l'Alliance UNSC séparatiste reste inchangée. Il faut impérativement neutraliser Vérité avant qu'il n'active l'Arche. Alors ensuite, il faudra s'occuper du parasite. Les troupes de la coalition progressent en direction de la citadelle, tenant en échec les nombreux défenseurs Covenant. Mais la bataille n'est pas encore finie. Deux scarabs Covenant sont largués depuis un vaisseau loyaliste pour anéantir les troupes de l'Alliance UNSC séparatiste. En dépit de leur puissance de frappe, les deux scarabs sont neutralisés au cours de cet affrontement titanesque. Puis, John 117 et Telvadam entrent sans tarder dans la citadelle pour neutraliser Vérité.
Ce dernier est sur le point d'activer l'arche à l'aide de Johnson qu'il a récemment fait prisonnier. Mais Miranda Keys fait s'écraser son pélican dans la salle de contrôle pour l'en empêcher. Elle projette d'éliminer Johnson et de se suicider ensuite afin que Vérité n'ait aucun dépositaire à sa disposition pour activer l'installation. Mais elle hésite et son plan échoue malheureusement lorsque Vérité lui-même utilise un spiker pour l'éliminer. Il se sert ensuite de Johnson pour débuter l'activation de l'arche. De leur côté, le Spartan et l'Arbiter sont proches mais trop de Covenant leur barrent la route. C'est alors que le Parasite intervient et propose de les aider à traverser les lignes ennemies afin d'arrêter Vérité. Ils acceptent l'aide du Parasite malgré leur méfiance, car ils doivent rapidement atteindre le panneau de contrôle pour stopper la mise à feu des Halos. Ensemble, la fragile Alliance vient rapidement à bout des défenseurs Covenant. John 117 atteint le panneau de contrôle et désactive la mise à feu des Halos, tandis que l'Arbiter exécute Vérité, déjà souillée par le Parasite. Johnson est lui retrouvé vivant. Il déplace le corps de Miranda Keys dans le Pélican et prépare le décollage quand des tentacules parasitaires émergent subitement dans la salle de contrôle. Johnson parvient à s'enfuir in extremis avec le Pélican, tandis que John 117 et Telvadam sont cloués sur place et doivent combattre le parasite pour quitter la structure. Ils sont aidés par un groupe de sentinelles. Alors qu'ils cherchent la sortie, John 117 a une vision de Cortana qui lui indique une plateforme dans les niveaux inférieurs de la citadelle. Ils s'y rendent et voient alors émerger des entrailles de l'Arche un Halo. Il s'agit de l'installation 08, le Halo qui doit remplacer l'installation 04, l'ancien Halo Alpha. Guilty Spark rejoint alors les deux protagonistes et accepte le plan élaboré par le Spartan. Activer le Halo afin de se débarrasser définitivement du parasite. Guilty Spark se dirige ensuite sur le nouvel Halo pour effectuer les préparatifs de la mise à feu, tandis que John 117 décide de récupérer Cortana sur grande bonté, car elle pourrait toujours détenir l'index de l'installation 04, qui permettrait probablement d'activer son remplaçant. John 117 se rend en Banshee sur l'épave de Grande Bonté. Sur place, il découvre un vaisseau Capital Covenant sévèrement affecté par le parasite. Il s'enfonce loin dans la cité Sainte Covenant, combattant les nombreux parasites qui lui font barrage. Il réussit à rejoindre Cortana dans le sanctuaire des Hiérarques. Malgré le risque qu'elle soit corrompue par le parasite, John 117 connecte Cortana à son interface neurale, car celle-ci détient toujours l'index du Halo Alpha et s'avère être la seule chance d'activer l'installation 08. Le Fossoyeur découvre alors le plan de John 117 et de Cortana et tente de les empêcher de quitter le vaisseau. Mais le Spartan neutralise les hordes de parasites qui lui barrent la route et fait même exploser les réacteurs de la cité Covenant pour affaiblir le Fossoyeur. Il quitte ensuite Grande Bonté grâce à l'Arbiter qui est venu l'aider à évacuer. Ils s'enfuient ensemble en Pélican et échappent ainsi à l'armée du Fossoyeur. Alors que le Shadow of Intent retourne sur Terre via le portail de l'Arche avec à son bord les survivants humains et séparatistes, John 117 et Telvadam se posent sur l'installation 08 et se dirigent vers la salle de contrôle afin d'activer le Halo. Le Major Johnson est également de la partie et pose le Forward Unto Dawn aussi proche que possible de la salle de contrôle et s'y dirige avec un Warthog. Alors que le Spartan et l'Arbiter approchent de la structure Pharaoner, le Fossoyeur envoie de nombreuses cellules de dispersion parasites pour intercepter et neutraliser ses ennemis. Johnson, posté sur une corniche, couvre ses camarades pendant qu'ils atteignent l'entrée de la salle de contrôle. Des sentinelles épaulent également le Spartan et l'Arbiter. Arrivés à l'entrée du bâtiment Pharaoner, ils éliminent les derniers assaillants parasites avant que Guilty Spark n'ouvre enfin les portes de la salle de contrôle. Ils sont rejoints par Johnson et tous ensemble, ils gagnent la salle principale. John 117 confie Cortana à Johnson, puis ce dernier se dirige vers le panneau d'activation pour enclencher la mise à feu du Halo. Alors que l'installation est sur le point d'être activée, Guilty Spark leur demande de patienter encore quelques jours car le Halo n'est pas terminé et pourrait être critiquement endommagé lors de l'activation. Guilty Spark comprend alors que la destruction du Halo était l'objectif des humains depuis le début. C'est inconcevable pour le Monitor qui sombre dans un état frénétique et fait feu avec son laser défensif sur Johnson pour l'empêcher d'activer le Halo. Il prend ensuite pour cible le Spartan et l'Arbiter. Johnson, sévèrement blessé, parvient à utiliser son laser Spartan pour affaiblir le Monitor. Il confie ensuite son arme au Major et John 117 réussit à neutraliser Guilty Spark. Il récupère ensuite Cortana auprès de Johnson qui rend son dernier souffle, puis dépose l'IA dans le panneau de contrôle. Cortana active ainsi l'installation 08. Une fois la mise à feu enclenchée, John 117 récupère Cortana et se dirige avec l'Arbiter vers la sortie. Il faut rejoindre le plus rapidement possible Forward Unto Dawn.
Les deux alliés font la découverte du Warthog de Johnson à la sortie d'une structure Far Honor et prennent la direction de la frégate humaine à bord du véhicule. Ils sont pris pour cible sur le chemin à la fois par les Sentinelles et le Parasite, alors même que l'installation 08 tombe en ruine car elle n'était pas achevée lors de son activation. Mais ils parviennent à leur objectif et montent à bord du For One Unto Dawn. L'arbiteur fonce en direction de la passerelle du vaisseau pendant que John 117 intègre Cortana au vaisseau depuis les hangars. La frégate s'éloigne alors petit à petit de l'installation 08 et de l'Arche pour se diriger dans le portail menant vers la Terre. Mais lorsque les systèmes de l'Arche sont détruits par l'explosion, le Dawn n'a pas entièrement traversé le portail. Il est littéralement coupé en deux. D'un côté, l'arbiteur rejoint la Terre à bord de la moitié avant du vaisseau, tandis que John 117 est contraint à la dérive dans l'autre morceau du Dawn. Il entre alors en sommeil cryogénique, en attendant d'être secouru ou que Cortana ait besoin de son aide. La bataille de l'Arche est une très grande victoire pour l'Alliance UNSC séparatiste. Malgré des pertes non négligeables, dont Miranda Keys et Avery Johnson font partie, le Haut Prophète de la Vérité a été vaincu et l'Arche n'a pas été activée, ce qui marque la fin de l'Alliance Covenant originale. De plus, le Fossoyeur du Halo Delta et son armée de parasites ont été éliminés et ne menacent plus d'infecter la Terre et les autres mondes humains et extraterrestres. L'infection née il y a des milliers d'années sur le Halo Delta a finalement été détruite. Si le conflit s'arrête après les événements de l'Arche, l'armistice est lui signé début 2553 entre l'amiral de flotte Terence Hood et l'arbiteur Tel Vadam, ce qui met un point final officiel à la guerre humaine contre Covenant. Le major John 117 est lui porté disparu et sera finalement considéré par beaucoup comme mort, s'étant sacrifié héroïquement pour mettre fin à la guerre. Un mémorial est érigé à Voy pour commémorer la mort et le sacrifice des héros de la guerre humaine contre Covenant qui ont combattu pour défendre la Terre et ses colonies. Il sera inauguré en février 2553 lors d'une cérémonie à laquelle participera notamment Tel Vadam. La reconstruction a commencé, mais ce flanc de colline restera nu. C'est un mémorial à ceux qui sont tombés, qui nous ont honorés. Nous ne les oublierons pas. Présentez armes!